sais que c'est dans le calme et dans la confiance que se trouve ta force. Autrement, cette force que tu as, elle est assaillie par la confusion, par des choses qui viennent bousculer tout ce que tu as là, cette énergie que tu as là, quand tu es dans le calme. Tu as besoin de ton énergie pour pouvoir réagir avec clarté. Mais si tu dissipes ton énergie avec la peur que tu dois réagir à certaines choses par compulsion, alors tu dissipes ton énergie. Tu n'es plus calme, tu n'es plus dans la confiance. Tu le sais très bien, je ne suis pas en train de t'annoncer une tempête. C'est seulement quand on est dans cette quiétude-là que les choses se révèlent à soi. La vie te parle dans cette quiétude. Autrement, c'est ta tête qui te parle et tu es embarqué avec elle. Donc, pour ne pas être embarqué par ce que tu penses, il faut que tu sois confiant que tout ce qui est pensé n'est pas un problème. Il faut que tu fasses confiance que tu es celui qui est présent, mais ce ne sont pas les pensées qui dirigent ta vie. Donc, tu vois les pensées, tu vois ce qui se passe, tu vois comment tu réagis aux choses, et tu sais, quand tu le fais, qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de l'harmonie. Ça vient de la peur que quelque chose va te manquer. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On réagit dans nos vies, dans les interactions que nous avons, dans nos relations. C'est instinctif. C'est pulsif. C'est compulsif. Il n'y a rien qui est fait dans la quiétude. Tout est du tac au tac. Nous avons des interactions qui sont rodées. Nous savons comment il faut faire. La réaction, elle est un réflexe. Donc il n'y a pas cette force, cette confiance en soi pour pouvoir entrer dans le jeu sans se blesser, ni blesser personne. C'est ça la rencontre avec l'autre, c'est que si tu n'es pas dans ton calme, en paix avec toi-même, tu vas créer de la rivalité. Parce que de par ta nature, tu es compulsif. De par ta nature, tu réagis au carrefour pour pouvoir faire en sorte que les choses soient à ton goût. Donc tu veux garder cette mainmise sur la vie que tu as autour de toi, pour faire en sorte que tu puisses continuer à rester dans ta zone de confort. Et c'est là qu'on devient nerveux, c'est là qu'on perd la confiance, on devient dans la confusion, parce que justement on a peur de perdre ce qu'on a gagné, ce qu'on a pu amasser, les plaisirs que l'on a eus, les privilèges que l'on a eus. Ça sert à te protéger. Et donc tu n'es plus dans la conscience, tu n'es plus en paix, tu n'as pas de force là, parce que ta force vient justement quand tu fais confiance à ce que la vie propose, mais pas à ce que toi tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est faire en sorte que ta zone de confort puisse perpétuer. Mais quand tu fais comme ça, certes, tu as une certaine satisfaction, une certaine sécurité, mais tu vas perdre la confiance parce que tout ça, c'est pas pérenne. Il n'y a rien qui peut durer. Tout va s'écrouler.
c'est de l'éphémère. Ce sur quoi tu t'accroches, c'est éphémère. Il n'y a rien de vrai. Donc, il faut que tu sois calme envers tout ce qui se passe autour de toi pour pouvoir trouver la confiance dans ta force. Et ta force, c'est de pouvoir rester là, là, sans rien faire pour vouloir arranger que les choses puissent être à ton goût. Ça veut dire que tu restes dans l'intégrité. Tu restes toi-même. Tu ne sors pas de tes gonds, comme on dit communément dans notre société. Sortir de ses gonds parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu fais confiance en la vie. Et la vie, c'est ta force. Et la force, c'est ce que tu as besoin. Mais si tu as la vie que tu te donnes d'avoir cette illusion, cette vie idéale que tu cours après, alors tu seras déchiré entre ce qui est pour de vrai et ce que tu aimerais avoir. Tu seras dans la névrose. Tu vas vouloir atteindre une situation, un état d'être qui puisse être ce que tu appelles être en paix. Mais ça n'arrivera jamais parce que cette situation ne te donnera pas la paix. Certes, ça te donnera du plaisir, tout comme toutes les choses que tu peux gagner dans ce monde, ça te donne du plaisir. Mais la paix, c'est autre chose. La paix, ça ne dépend pas de ce que tu peux gagner. La paix, ça ne dépend pas de ce que tu peux amasser. Tu peux avoir tout l'argent du monde, toute la sécurité du monde, tous les plaisirs que tu as, tous tes péchés mignons que tu peux avoir et croire que tu es dans le bien-être. Mais ça, c'est pas la paix parce que, en fait, tout ça ne reste pas longtemps. C'est quelque chose qui vient et qui part. En tout cas, à la mort, il faudra que tu laisses tout ça. Il faudra que tu laisses tout ça derrière toi parce que au-delà de ce que le monde matériel est, il y a quelque chose qui est invisible, qui n'est pas accessible au mental que nous avons. C'est seulement quand ton cœur est calme, dans la confiance, que tu peux basculer vers cette autre dimension et avoir les prémices de ce que la vie elle propose à ce moment-là. L'amour, la paix, la joie, l'harmonie d'être ensemble, la non-réaction aux choses qui fait qu'on est tout de suite dans la compulsion. C'est ça notre grand souci à nous les humains. C'est que nous nous sentons pour la plupart mal à l'aise. Le mal-être rôde tout le temps dans nos vies, que nous voulons nous protéger. Et pour se protéger, ben, on va inventer une vie qui puisse être à notre goût. Donc on crée un monde de sécurité, de plaisir. Et on veut faire en sorte que tout ça, ça puisse être... ne pas être bousculé par qui que ce soit. Et à ce moment-là, tu n'es pas en paix parce que tu vas surveiller au grain que tu as. Tu seras inquiet. Tu auras peur que quelqu'un vienne prendre ce que tu as trouvé. Cette soi-disant paix que tu as trouvée. Ça, c'est la zone de confort. On appelle ça, dans ce monde, notre bien-être. Tranquille. On se la coule douce, quoi. C'est ce qu'on appelle dans ce monde.
Mais ça, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est dormir. C'est quelqu'un qui dort, qui n'est pas éveillé à ce que la vie propose. Parce que la vie a beaucoup d'énergie. Dans la zone de confort, tu t'endors, l'esprit s'endort. L'esprit est blasé. Mais en dehors de cette zone de confort, c'est vigilant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que la vie, elle donne tout ce qu'elle a. Elle foisonne de gaieté, de jubilation. La vie, c'est quelque chose qui est vivant. Et quand tu es en contact avec ça, ben, tu es vivant. Tu n'es pas dans ta zone de confort, là. La zone de confort, c'est pour te donner un peu de bien-être pour tous les problèmes que tu puisses rencontrer sur le parcours de ton existence. C'est ça que tu cherches. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la paix, qu'on n'a pas cette confiance en soi. Et là, on est en train de dire, ne fais rien, fais confiance. Fais confiance que la vie, elle sait ce que tu as besoin. Et la vie, c'est ce que tu es. Donc fais confiance en ce qui émane de toi, ce qui sort de toi, ce qui se manifeste à partir de ton cœur. À partir de ton cœur se manifeste la vie. Et la vie n'a pas de bon, de mauvais. Elle est tout. Mais toi, tu t'es identifié à une zone de confort où il y a un bien-être et tu refuses le mal-être. Alors tu seras toujours dans la crainte. Il y aura un moment où tu vas te réveiller et les choses n'iront pas comme tu veux. Parce que tout ça, c'est changement. Ça ne s'arrête jamais de bouger, ça. Et à un moment ou un autre, ça ne va plus être à ton goût. Parce que ça a bougé au-delà de ton désir. Mais ce que tu es, vraiment, n'a rien à voir avec tout ça. Si tu t'identifies à tout ça, alors tu seras dans le besoin de faire exister cette identité. Il faudra que tu la fais briller, cette identité, cette image que tu as. Parce que c'est une image, c'est pas une réalité. Et une image est faite comme un château de cartes. Cette image que tu es va être blessée quand les choses s'effondreront. L'image est blessée. Mais toi, qui est au-delà de l'image, qui est la chose réelle derrière l'image, que l'image cache, ça ne peut pas être affecté. Et c'est ça qui est la confiance et la force. De rester avec ce qu'il y a, mais pas avec ce que tu aimerais. Parce que ton esprit est compulsif pour prendre ce qui est demandé, ce que le corps demande, tu deviens compulsif. Et tu voudrais faire exister ce bien-être. Tu voudrais éradiquer ce moment où il y a de la demande et tu voudrais tout de suite satisfaire cette demande sans vouloir regarder qu'est-ce que c'est cette demande. Parce que si tu regardes bien, peut-être que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de prendre, de
de sauter dessus sauvagement, par gourmandise. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On est gourmand de bien-être. On ne sait plus regarder la raison pour laquelle l'existence, elle est comme ça. Tu veux tout simplement être dans le bien-être. Et il y a une demande égocentrique qui veut toujours que ce soit rempli tout de suite, satisfait. Donc tu cours après ça. Et quand tu as cela, tu es encore pas satisfait. C'est ça notre vie, celle que nous vivons tous les jours. Et on se refuse de regarder ainsi. Parce que ce qu'on veut, c'est ce que tu as appris. Le bien-être doit toujours être là, pérenne, et tu en cherches toujours, toujours, parce que jamais tu es satisfait. C'est une illusion. Donc tu dois toujours remettre en cause ta zone de confort, parce que ta zone de confort sera dérangée. Donc tu vis une vie comme ça. Et je t'annonce pas une tempête, tu le sais, parce que c'est ce qu'on vit tous, les humains sur la planète. Nous avons appris à vivre comme ça, c'est entrer dans les mœurs. Mais sauf qu'on se le cache à soi-même. On veut se faire croire que tout va bien. Et parce qu'on veut se faire croire que tout va bien, c'est là où on se ment. Et puis on ment aussi aux autres. Et nous avons une vie médiocre, où tout le monde fait croire à tout le monde que tout va bien. Mais en fait, tu n'es pas dans le calme, ni dans la confiance. Tu fais confiance en ce que tu pourras gagner. Tu fais confiance en ce que tu as pu amasser, toute la zone de confort que tu as pu avoir. Mais cette confiance va être détruite parce que c'est éphémère. Donc la confiance, tu dois la poser sur ce qui n'est pas éphémère, sur ce qui est inébranlable. Cette confiance, tu dois l'ancrer dans ce que la vie elle-même propose. Et la vie propose non pas la satisfaction, mais propose cette insatisfaction, propose ce bien, ce mal, ce bien-être, ce mal-être. Et quand tu veux comprendre la vie, alors il faut que tu vives tout ça. Pourquoi on ne comprend pas, pourquoi on ne se comprend pas, c'est parce qu'on ne veut pas vivre tout ça. On veut vivre seulement ce qui est agréable. Et c'est pour ça qu'on perd toute son énergie à faire ces choses qui sont répétitives et qui ne cessent jamais de nous occuper l'esprit. L'esprit est dans la turbulence, dans la confusion. Il veut atteindre un but, quelque chose qui puisse lui donner une raison d'être. Mais tu la trouveras jamais, puisque tu cours après du vent, après de l'éphémère. Et cet éphémère, elle te donne de l'insatisfaction, de la déception, des frustrations. Et tu vis ta vie comme ça, tout le temps, en te faisant croire que tout va bien, la prochaine fois, je l'aurai. Demain, je serai mieux. Donc tu continues, et puis demain, ça continue pareil. Et tu passes toute ta vie à vouloir courir derrière quelque chose qui te leurre. Tu es leurré par la vie que tu te donnes d'avoir, cette illusion, cette vie idéale que tu cherches et qui n'existe pas. C'est que ta tête qui projette un désir, et ce que tu fais, tu poursuis le désir et tu deviens esclave de ce que le désir propose. Tu es toi-même l'acteur de ton problème. Tu as un problème.
Et c'est peut-être que si nous, les êtres humains, on voit le problème, alors peut-être qu'on peut sortir du problème. Mais il semblerait que nous ne voulons pas voir parce que c'est tellement désagréable. Et il y a quelque chose qui prend en charge ce désagréable-là, c'est l'aspect égocentrique qui veut faire en sorte que tout va bien. Donc on est tiraillé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qu'on cache, il y a quelque chose qu'on montre, mais on cache tout ce qui est désagréable. C'est pour ça qu'on a une vie qui est en gesticulation entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais l'ensemble est un seul tout. Il est nécessaire de comprendre que tout est un seul ensemble que tu ne peux pas dissocier. Tant que tu vas être divisé entre ce que tu es et ce que tu aimerais, ce que tu es, c'est la vie. Ce que tu aimerais, c'est ton illusion. C'est la vie idéale que tu cherches à être, pour que tu puisses être en paix. Et tant que tu fais ça, il y aura justement en toi cette dualité qui te donnera tout le temps de l'insatisfaction. Parce que tu croiras qu'il y a quelque chose à faire et tu donnes alors à demain beaucoup d'importance. Et un jour, tu arrives à la tombe. Tu tournes ta tête comme ça pour voir qu'est-ce que tu as fait avec cette vie-là. Tu te poses donc la question, mais c'est quoi vivre alors? J'ai rien compris. La plupart d'entre nous, on arrive à la tombe de cette manière. Parce qu'on ne veut pas affronter ce que la vie propose. Et la vie, elle est tout ça. L'ennui, le bien-être, le mal-être. Pour comprendre la vie, il faut que tu vives cela. Mais que tu ne t'identifies pas à cela. Vivre cela sans rien faire pour arranger les choses. Laisse cela être. Laisse cela venir à toi. N'essaie pas d'éradiquer ce que tu vois, ce que tu vis. Vis-le. Accepte d'être dans l'ennui. Accepte d'être dans cette situation-là. Sans que tu essaye d'arranger pour faire que la situation soit à ton goût. C'est alors, quand tu ne fais rien, que la vie se révèle à toi. Elle développe tout ce que tu avais en face de toi, qui n'était pas agréable, eh bien, elle éclore, tu le vois, et elle passe à autre chose. Et tu apprends sur toi-même. C'est ça, la connaissance de soi. C'est apprendre qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est tout ça. Parce que tout ça, tu t'es identifié à ça. Et ce à quoi tu t'es identifié, eh bien, c'est toi. Donc tu vois, si tu vois ce que tu n'es pas, que tu acceptes de regarder, ben tu comprends. Et alors, il y a quelque chose qui émerge, c'est-à-dire ce qui est vrai. Ton esprit n'est plus dans la dualité, ton esprit est ouvert à tout et il ne confronte rien, il accepte tout. Il a cette capacité, ton esprit, de faire ça. C'est ça qu'on appelle aimer. Aimer les choses telles qu'elles sont. Pas comme tu aimerais. Tu aimes quelqu'un, mais pas parce qu'il sera à ton goût, non? Tu aimes quelqu'un comme il est.
Tu n'essayes pas de le changer. Tu n'essayes pas de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire pour que il puisse être au goût de comment je vois les choses. Ne rien faire. Accepter. Alors il y a de l'harmonie. Parce qu'il n'y a plus de rivalité envers celui que tu veux arranger les choses. Tu veux faire que cette chose-là soit différente. Tu veux que les faits soient complètement à ton goût. Mais les faits ne peuvent pas être à ton goût. Les gens sont comme ça. La vie, elle est comme ça. Ça arrivait et c'est comme ça. Et toi, tu veux arranger. Alors tu seras en manque de confiance. Parce que tu dois faire confiance en la vie pour pouvoir vivre en paix. Mais pas faire confiance en ce que tu penses de comment la vie devrait être. Accepter la vie. S'accepter tel que l'on est aussi. Pour pouvoir se voir tel que l'on est. Et ainsi, se comprendre. Et quand tu as compris, alors tout ce que tu vis n'a plus de problème. C'est pas un problème parce qu'il n'y a personne qui subit. Tu as juste vu les choses se faire. Tu n'es pas identifié à ces choses-là.